Drop it. Bonjour et bienvenue les amis sur une nouvelle vidéo sur votre chaîne Crypto Monde. Aujourd'hui, on va vous parler d'un nouveau projet, nouvelle plateforme, nouvelle propriété technologie blockchain. On va bien sûr essayer de vous donner toutes les informations disponibles à propos du projet, soit sur internet ou bien les informations qu'on a pu avoir en parlant avec directement avec le projet. Bien sûr, tout ça dans le but de vous aider. Donc, on n'est pas en train de vous encourager ou bien influencer pour aller investir directement dans ce projet, mais plutôt pour vous donner les ressources, les liens, les informations qui vous aident, qui vous aideront à prendre une décision d'investissement, soit investir ou non, ou pas investir, c'est à vous de choisir, donc investir avec responsabilité. Donc voilà, sans retard, on va commencer. Vous avez la plateforme officielle devant vous, vous avez le nom Amaterasu, donc illumine le monde NFT, plongez dans Open World. Il y a pas mal de liens à visiter, mais c'est juste des phases de la plateforme officielle, c'est pas vraiment des liens, donc on va voir ça dans la vidéo. Donc qu'est-ce que Amaterasu? Donc Amaterasu est une plateforme DeFi ou bien finance décentralisée XNFT sur la Binance Smart Chain. Donc c'est construit sur le Binance Smart Chain. En tant que projet, Amaterasu mettra en œuvre diverses fonctions allant à l'émission d'actifs NFT, au trading, au jalonnement et au jeu. Problème de NFT, vous avez ici les problèmes que le projet bien sûr a l'ambition de résoudre, les réalisations au futur de ce projet, vous pouvez les lire. Bien sûr, on va pas se mener dans les petits détails pour ne pas élargir la vidéo, qu'elle soit ennuyante. Donc vous avez ici caractéristiques d'Amaterasu. Donc vous avez le DEX. Amaterasu DEX vous permet d'échanger des jetons BSC. En plus d'échanger des jetons BSC, vous pouvez également extraire des liquidités en utilisant AMT, etc. Donc AMT, c'est le symbole du jeton de ce projet. Donc jalonnement NFT et agriculture NFT, vous pouvez obtenir un jeton de gouvernance AMT en déposant un seul NFT en garantie. Par conséquent, même si vous manquez un gacha, il ne sera pas perdu. En plus du jalonnement NFT, vous pouvez également cultiver en combinant plusieurs NFT. Vous gagnerez USD pour cela. Donc voilà, NFT gacha, c'est le jeu, ou bien le corps, ou bien le cœur de ce projet, c'est un jeu. Donc le nom de gacha Amaterasu NFT est Omikuju, ou bien Omikuju. Est comme une version japonaise des fortune cookies. Donc vous pouvez les vous savez ou bien vous connaissez les cookies ou vous les cassez ou vous obtenez une phrase. Donc il existe 5 raretés de NFT. Donc il y a normal, il y a rare, il y a super rare, il y a super rare et ultra rare. Donc plus la rareté est élevée, plus de la récompense pour le jalonnement NFT est élevée. Donc Amaterasu se concentre sur la collection et la gamification et propose des fonctionnalités telles que le gacha, l'entraînement et les batailles. Donc voilà comment vous allez bien sûr faire pour mieux développer vos compétences et vos skills dans ce jeu pour pouvoir gagner plus de récompenses. Il y a aussi un marché NFT ou bien marketplace. Donc ils vont construire un système pour échanger les NFT Amaterasu contre d'autres éléments du jeu et améliorer la compatibilité. Les utilisateurs peuvent acheter et vendre des NFT sur le marché Amaterasu NFT. Il y a bien sûr un système de référence où vous pouvez inviter vos amis pour vous amuser ensemble à Amaterasu. Lorsque la personne invitée tire un gacha, il obtient 10% de la récompense. Donc voilà, n'hésitez pas à voir ça. Vous avez ici des informations sur le jeton AMT. Donc la distribution, c'est 40%, bien 45% pour le mining pool. La pool de liquidité, c'est 25%. Et l'approvisionnement total, c'est 100 millions. C'est très intéressant. Bien sûr, c'est construit sur le BSC, donc le BEP20 et le network. Et là, vous avez ici l'adresse de contrat. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Quoi d'autre? Donc on va continuer. Donc vous pouvez acheter ce jeton AMT ici, donc Amaterasu DEX, PancakeSwap et
bien sûr, pas mal d'autres vont apparaître dans le futur prochain. Donc, les médias ou les plateformes où vous avez trouvé les informations concernant le projet, donc vous avez CoinMarketCap et CoinGecko, on va jeter un œil sur le CoinMarketCap où vous allez trouver la valeur de jeton, c'est 0,023 en euros. Voilà, donc vous allez trouver tous les liens ici. Bien sûr, pour les liens, j'ai utilisé le Linktree. Donc, je vais laisser les liens dans la boîte de description. Si vous avez en besoin des informations, vous allez trouver tous ici. Donc, je vais sélectionner All pour voir la charte et le développement du jeton en fonction de temps. Donc, je pense qu'ils ont commencé en 2021. Et maintenant, bien sûr, le jeton a connu beaucoup de changements de valeur, de 0,16 à maintenant 0,023. C'est très intéressant, mais je pense que le volume a été bien changé durant cette changement de la valeur. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris les notions de base de ce projet. Vous pouvez bien sûr aller et voir aussi la feuille de route. Alors, à quoi sert la feuille de route? Tout simplement, vous allez avoir la chance de mesurer le succès de l'équipe responsable de management du projet à achever voilà, les objectifs qu'ils ont posés. Voilà, donc vous avez devant vous toutes ces phases de cette feuille de route. Donc, des nouvelles, vous pouvez consulter le site Medium pour avoir toutes les nouvelles. Bien sûr, vous devez que cliquer ici pour se diriger directement. Voilà, vous avez ici les partenaires. Donc, vous pouvez voir dans le BSC Scan l'explorateur de transactions, Trust Wallet, compatible avec Trust Wallet, MetaMask, Math Wallet, Pucoin. Ils ont déjà travaillé avec les partenaires universels et qui vous donnent une idée ou bien une mesure que le projet est en train de faire des partenariats qui sont très importantes. Voilà, donc vous allez trouver les nouvelles dans Medium. N'hésitez pas à voir ça si vous êtes intéressé. Et bien sûr, vous allez trouver l'équipe ici, des informations sur l'équipe. Les profils ne sont pas disponibles. Mais bon, donc vous avez ici les liens. Donc Twitter, Telegram, si vous voulez, vous pouvez les suivre, ça ne coûte rien. Mais bien sûr, en revanche, ça va vous permettre d'avoir toutes les actualités concernant le projet. Et bien sûr, rejoindre le groupe Telegram où vous allez trouver la communauté officielle de ce projet. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte de commentaires si vous avez des questions. Et voilà, donc je vais laisser les liens dans la boîte de description et on se voit dans la vidéo prochaine.